Alors attendez. Salut à tous, c'est Thomas YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour ce début de vidéo qui était complètement chaotique. C'était complètement chaotique ce début de vidéo, excusez-moi. Bon bref, commençons tout de suite car là je suis un petit peu pressé, on va dire ça comme ça. Je ne vais pas vous dire pourquoi, voilà, je ne vais pas vous dire pourquoi. Donc voilà, je ne vous dirai pas pourquoi je suis pressé. Mais je suis un peu pressé, donc c'est pour ça qu'il y aura certainement un peu moins d'actualité dans cette vidéo. Aéroport de Rennes. La nouvelle ligne vers Toulouse est officiellement ouverte. La compagnie Chalair Aviation a effectué son premier vol aller-retour entre l'aéroport de Rennes-Bretagne et celui de Toulouse ce lundi 3 octobre, donc c'était hier. Le premier vol Rennes-Toulouse opéré par Chalair Aviation a été inauguré ce lundi 3 octobre 2022. L'avion a atterri sur le tarmac de l'aéroport Rennes-Bretagne à 10h45 avant de s'envoler à nouveau pour rejoindre la ville rose à 11h15. Pour rappel, les vols sont programmés chaque matin du lundi au vendredi et complétant l'offre existante en termes d'horaire sur cet axe entre les deux capitales régionales. 12 vols par semaine, avec un vol programmé chaque matin du lundi au vendredi. Cette ouverture de ligne permet à l'aéroport de Rennes-Bretagne d'être désormais relié jusqu'à 12 fois par semaine à Toulouse. Elle constituait jusqu'en 2019 la troisième destination en termes de passagers transportés, précise l'aéroport Rennes-Bretagne. Comment réserver? Les réservations peuvent être faites en agence de voyage et sur le site de vente en ligne www.chalair.fr ou www.airfrance.com. Dans la limite des franchises autorisées, le prix des bagages cabine et en soute est inclus dans le prix du billet. La compagnie Chalair Aviation est par ailleurs partenaire du programme de fidélité Flying Blue d'Air France KLM, qui permet à ses membres le cumul des miles. Les miles attribués sur la ligne Rennes-Toulouse seront doublés jusqu'au 31 octobre. Nantes-Atlantique. Atterrissage raté d'un Boeing 737-800. Trafic interrompu. Ah, ils nous embêtent avec leur pub. Oh là 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 là. Ouais, je sais, il n'est pas terrible cet épisode. Enfin, il est bien cet épisode d'Air Info, mais je suis désorganisé ce soir. Donc là, sur la vidéo, on se marre le mardi soir et je suis désorganisé ce soir. Je suis désolé. Nantes-Atlantique. Atterrissage raté d'un Boeing 737-800. Trafic aérien interrompu hier après-midi. Le trafic aérien à l'aéroport Nantes-Atlantique a été suspendu hier après-midi pendant 3 heures, entre 13h et 16h. En raison d'un incident d'atterrissage avec un Boeing 737 de la compagnie Transavia. Selon des premiers témoignages, le train d'atterrissage d'avant de l'avion se serait affaissé, selon Paul Louisel, un témoin cité par François Région. Le pneu du Boeing 737-800 de la compagnie Transavia avait le pneu avant pulvérisé, selon le site de suivi Flightradar 24. Non, attendez, on va reprendre. Est-ce que, attendez, j'ai mal lu la phrase. Bon, finalement, on passe à une autre actualité parce que ça m'énerve de répéter toujours. Parce que là, je voulais vous parler d'une actualité qui avait l'air assez quand même intéressante. Mais bon, je suis désolé, je ne peux pas trop vous en parler car ben, je n'aime pas répéter toujours la même chose simplement. Parce que là, j'avais mal lu la phrase et je me suis mal répété. Et ça m'a énervé, donc j'ai passé. Je suis passé à une autre actualité. Je suis désolé. Je suis complètement désorganisé. Vraiment, et c'est l'Air Info. Je crois que ça va être un des moins bels épisodes d'Air Info de la saison. Hein. Là, c'est là. Je vous rappelle que nous sommes dans la saison 2 d'Air Info. Nous sommes dans la saison 2 d'Air Info. Et pendant cette saison 2, je crois que c'est un des pires épisodes, celui-là, je crois. Mais bon. C'est pas mal quand même au moment où on voit les actualités quand même. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry bondé de passagers évacués en urgence. Le terminal 1 de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a été évacué ce lundi 3 octobre, donc hier, pour des raisons de sécurité. Des vols sont retardés et de nombreux passagers sont bloqués. Le terminal 1 de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a été évacué pour des raisons de sécurité ce lundi 3 octobre dans la matinée. Ce matin, pour des raisons de sûreté, des contrôles additionnels ont dû être réalisés au terminal 1, entraînant son évacuation et des retards sur les vols.
Voici ce que répond le compte Lyon Aéroport sur Twitter à tous les passagers qui s'inquiètent de la situation. Des retards de vol en cascade. Sur les photos publiées sur le réseau social, on voit les files d'attente interminables. Certains indiquent que leur avion est même bloqué au sol. Pour des raisons de sécurité sur un bagage, une partie du terminal 1 a dû être évacuée à 10h20. Les opérations ont repris progressivement vers 11h35. Des retards importants sont à prévoir sur une vingtaine de vols. Les équipes de l'aéroport sont aux côtés des passagers pour les tenir informés et accompagner la reprise d'activité, nous indique le service presse des aéroports de Lyon. Les passagers ont pu retourner à l'intérieur du terminal 1 aux alentours de 11h45, mais l'opération a provoqué des retards en cascade. Francesco Loganoco, non Loga, bon bref. Un passager présent ce lundi nous a confié à 12h30. Nous ne sommes plus bloqués, nous faisons la queue pour passer les contrôles. Notre vol va partir à 13h avec 1h30 de retard. À 14h, son vol n'avait toujours pas décollé. Nous attendons un créneau, a précisé l'internaute depuis l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Delta reprend sa ligne entre Paris et Los Angeles. Delta Airlines reprendra ses vols au départ de Paris-Charles de Gaulle à destination de Los Angeles l'été prochain à partir du 9 mai 2023. Bon, malheureusement, c'est pas Miami, mais bon, c'est pas mal quand même. Rétablissant une liaison quotidienne sans escale entre la France et la côte ouest des États-Unis. Cela portera le réseau de la compagnie aérienne à 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et les États-Unis l'année prochaine. Combiné avec leur partenaire Air France, les deux compagnies aériennes exploiteront près de 300 vols hebdomadaires entre la France et les États-Unis en 2023. Tous les vols entre la France et les États-Unis sont également opérés en collaboration avec KLM et Virgin Atlantic. L'annonce de cette liaison est partie intégrante du plus vaste programme transatlantique jamais réalisé par Delta, offrant environ 620 vols hebdomadaires vers 11 aéroports américains à partir de 32 marchés européens. Delta opérera des Airbus A330 entre Paris et Los Angeles, proposant un choix de 4 expériences en cabine, dont les Delta One Suite et Delta Premium Select. Horaire des vols Delta quotidiens entre Paris et Los Angeles à compter du 9 mai 2023. Départ de Paris-Charles de Gaulle à 15h20, arrivée à Los Angeles 18h20. Départ de Los Angeles à 17h, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 13h20, à 13h05. Vol inaugural réussi pour le premier avion de transport électrique au monde. Un pas de plus vers le secteur aérien plus propre. Un avion tout électrique dédié au transport de passagers vient de réussir un vol sans émettre de CO2. La prouesse a été réalisée. A été. Où est-ce qu'on en est? La prouesse a été réalisée le 27 septembre au départ de l'aéroport du Penfield, État de Washington, aux États-Unis. L'avion, baptisé Aviation Alice, est développé par la compagnie israélienne du même nom. A atteint une altitude de 3 500 pieds, environ 1000 mètres, avant d'atterrir 8 minutes après son décollage. C'est historique. Il faut remonter aux années 1950 pour assister à une pareille évolution technologique, a déclaré à CNN le président d'Aviation, Gregory Davis. Soulignons qu'Alice n'est pas le premier avion électrique commercial à réussir un vol. La prouesse remonte à 2019 et le vol inaugural d'un hydravion développé par Harbour Air et le fabricant de moteurs électriques américain Magnix. Des vols garantis zéro émission de CO2. L'appareil est normalement conçu pour accueillir 9 passagers et 2 pilotes, caractéristique de ce bijou de technologie. Il est propulsé grâce à deux moteurs électriques alimentés par une batterie rechargeable. En d'autres termes, l'avion n'émet aucune émission de CO2 en vol. L'aéronef devrait
pouvoir voler sur une distance oscillant entre 150 et 250 miles, donc entre 240 et 400 km, et à une vitesse maximale de 250 nœuds, environ 463 km/h. Une version spécialement conçue pour le transport de fret pourra même embarquer jusqu'à plus d'une tonne de charge utile. Avec 1 heure d'autonomie et 30 minutes de recharge sur son modèle Alice, Eviation ambitionne de transformer le transport de passagers aériens. L'entreprise vante les mérites de son appareil, bien moins bruyant et supposément moins cher à faire voler en raison de l'absence du kérosène. Pour l'heure, l'avion est toujours soumis à une batterie de tests pour obtenir l'homologation de la Federal Aviation Administration d'ici 2025. Si le calendrier est respecté, Eviation espère faire entrer Alice en service en 2027, si le projet ne court-circuite pas d'ici là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et surtout, abonnez-vous les amis. Et ouais, tout le monde, regardez là. On voit Barvina. Attendez, on la voit plus. On va la voir dans quelques minutes. Attendez. Voilà, regardez. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories and the memories.